Monsieur Ketraki, vous êtes maire depuis 8 ans. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce beau rassemblement de Bressuirais et de familles polonaises et ce bel événement de rencontre que nous avons vécu jusqu'ici? So, what can you say about our twinning associations and how do you regard this wonderful gathering of people? Od 16 lat już współpracujemy z Bressuir. Cieszymy się, że ta nasza współpraca rozwija się tak dobrze. Owocem tego są cykliczne spotkania z rodzinami. Nous sommes vraiment très heureux sur ce rassemblement qui unit les Bressuirais aux gens de Partchev. Et ça fait maintenant 16 ans que nous sommes en contact. And we are very happy that we have such a good contact and that. Et nous sommes vraiment très très honorés, très. Nous apprécions beaucoup ce contact et cette fidélité de rencontre que nous avons avec nos amis de Bressuir. And we have to develop our communication in future. Et nous devons, nous, l'objectif de M. Ketraki nous rassure en nous disant que nous devons développer ces liens. Mr. Ketraki, could you tell us more about Partchev? Partchev to niewielkie miasto na wschodzie Polski. Liczy około 12 tysięcy mieszkańców. Partchev został założony na początku XV wieku, bo od 1401 roku ma przywileje miejskie. Partchev is mostly located in the eastern Poland. Alors Partchev, c'est une ville qui se situe dans l'est de la Pologne. It has 12,000 habitants. Et Partchev a 12,000 habitants. And Partchev was created in the beginning of the 15th century. Et Partchev fut une ville assez ancienne qui a été créée au début du 15e siècle. It was in 1401. The King Władysław Jagiełło gave Partchev city rights. Okay. D'accord. Donc c'est une ville ancienne de patrimoine et de tradition aussi. What is the economic strength of Partchev? Pomimo tego, że jesteśmy niewielkim miastem, chcemy, by nasi przedsiębiorcy mieli jak najlepsze warunki do tego, żeby funkcjonować. Despite the fact that we are a small city, we try to support all the D'accord. Malgré le fait que c'est vrai que Partchev est une ville moyenne, voire une petite ville, ben nous essayons de tout mettre en œuvre pour développer les activités économiques de la ville et des entreprises. Największymi zakładami, fabrykami w Partchewie to jest huta szkła gospodarczego oraz wytwórnia kabli elektrycznych firma Elpar. Alors les plus grandes sociétés et puis entreprises que l'on trouve sur Partchev, c'est vraiment d'abord une grande usine, une verrerie que nous avons d'ailleurs visitée récemment. Et c'est la deuxième plus grande usine de Pologne. Félicitations, congratulations. W obu tych zakładach pracuje około 800 ludzi. In both of these companies, there are about 800 workers. 800 workers. Et dans cette compagnie emploie en fait 800 salariés. Donc c'est quand même une entreprise importante. Dużym pracodawcą jest również szpital parczewski, który jest nowoczesnym obiektem. The one of the biggest companies in Parczew is also the hospital, which is the biggest hospital in the Dans la région de Partchev, on compte aussi, bon, on a l'atout d'avoir l'hôpital général qui emploie beaucoup de salariés. Et avec 7 services. Donc, ok, tous les habitants, so all inhabitants can be reassured about their health. Yeah, ok. What about craft? You also had a wire company, une société de câblage. De câblage? The long wire. Company, okay. Et vous exportez, you often export. Tak, nasza fabryka kabli elektrycznych eksportuje większość produkcji naszej fabryki. To jest produkcja na eksport. Przewody elektryczne są eksportowane na Litwę, Łotwę, Estonię, a również do krajów zachodniej Europy.
To merge the production in the wire factory in Bacze. Is exported to Lithuania, Latvia and also to the Western countries. Huta szkła 90% swojej produkcji także eksportuje i to są praktycznie na wszystkich kontynentach. Donc la société de câblage exporte aussi dans de nombreux pays tels que la Lituanie et puis d'autres pays. Et dans d'autres pays aussi. Donc c'est une grande société aussi de câblage qui exporte dans plusieurs pays. And also 90% of the production in the glass factory is also exported to all over Europe. Tout comme d'ailleurs la verrerie qui est 9% de la production est exportée à travers toute l'Europe. D'accord. Monsieur le maire, on a déjà eu l'honneur de votre visite en 2012 avec monsieur Jean-Michel Bernier, le maire de Bressuire. Je crois que vous avez eu de très bons contacts. I think you had excellent contact with our mayor on the day of your coming, that was in 2012. Can you tell us a bit more about this first gathering with Jean-Michel Bernier? W 2012 roku miałem przyjemność być z przyjacielską wizytą w Bressuire. In 2012, I had the pleasure to visit Bressuire and met the mayor. Oui, en 2012, effectivement, j'ai eu le grand plaisir de rencontrer le maire de Bressuire, Jean-Michel Bernier. Mieliśmy okazję wraz z moją małżonką poznać Jeana Michela. Me and my wife had the opportunity to meet the mayor of Bressuire, Jean-Michel Bernier. Jesteśmy szczęśliwi z tej wizyty, że mieliśmy okazję poznać, ale również innych mieszkańców Bressuire i przede wszystkim zobaczyć miasto. And we are very pleased to have the opportunity to meet the mayor of the inhabitants of Bressuire and see this beautiful city. Et nous avons eu le grand plaisir non seulement de découvrir monsieur le maire et puis son épouse, mais aussi les habitants de Bressuire et puis de découvrir Bressuire et puis son patrimoine. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego wszystkiego, co robi pan maire w Bressuire. I'm under great impression of what Jean-Michel Bernier is doing in Bressuire. Oui, monsieur Kedaraki est impressionné par les réalisations de la municipalité à Bressuire. Monsieur Kedraki, lors de votre visite en 2012, vous avez découvert plusieurs sites de Bressuire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? W 2012 roku wraz z małżonką miałem okazję przebywać w Bressuire, poznać bliżej pana Jeana Michela Bernier i również jego małżonkę. In 2012, me and my wife had a great pleasure to visit Bressuire and met the mayor of the Bressuire, Jean-Michel Bernier. Alors en 2012, nous avons le plaisir de rencontrer monsieur le maire de Bressuire et son épouse. Jestem pod ogromnym wrażeniem zarówno pana maire, ale też tego wszystkiego, jak wygląda samo Bressuire. I'm under big impression of the job which Jean-Michel Bernier is doing in Bressuire and how the city has developed in the last few years. Et nous avons eu la surprise quand même de voir comme Bressuire était une ville qui se développait. C'est vrai que nous avons découvert plusieurs sites qui a sûrement demandé pas mal de travail aussi à la municipalité. Ça nous a beaucoup impressionné. Mieliśmy okazję zobaczyć teatr, centrum Bokapol. Nous avons visité le théâtre Bokapol, le centre aquatique. No i oczywiście piękny zamek. Et le château aussi et ses remparts. Monsieur Kedraki, c'est vrai que nous aussi nous avons eu cette joie de rencontrer tous nos amis de Parchev. La chaleur, l'accueil très chaleureux des gens de Parchev qui ont toujours leurs portes ouvertes pour leurs amis bressurés. We have been very deeply impressed by the warm welcome provided by the people from Parchev. I hope one of these days you will come back to Bressuire. Nous espérons que le plus vite possible vous reviendrez nous voir à Bressuire, mais nous croyons savoir que vous allez avoir bientôt des élections. So elections are coming soon, Mr. Kedraki. When will that be? Quand est-ce que ces élections vont avoir lieu? In November, I think. In November. En novembre prochain. J'espère que nous allons pouvoir nous rencontrer en France. Thank you.
thanks a lot for all those nice words. I hope that in future, in nearest future, we'll have the opportunity to meet us again, this time in France. Et merci beaucoup pour la venue des Bressuirés, puis pour cette belle amitié qui unit la Pologne et la France, Parchev et Bressuire. Et nous espérons avoir très vite le plaisir et la joie de nous retrouver. Merci beaucoup, Monsieur le Maire. Thank you very much, Mr. Paweł Kedraki. Et vive la Pologne, vive la France. Vive la Pologne, vive la France. Au revoir. Au revoir.